Très belle première mi-temps avec une équipe qui joue au ballon, une équipe qui savait, bon, au début on n'arrivait pas très bien, on ne se connaissait pas. Et là on joue au ballon, on fait tourner le ballon pour un mi-temps, franchement c'était rien à dire. Et là on arrive en deuxième mi-temps où il y en a qui sont un peu moins lucides et voilà, ils ont un peu du mal et qui ne sont pas prêts physiquement, bah, on se retrouve à marquer, à perdre 1, 2 et puis voilà quoi, après on a la traîne et puis voilà quoi. Et là revenir à 2-1 et avec un très beau but de l'attaquant. Et je pense qu'il n'y a rien à dire, quoi. On a raté 2, 3, même 4 occasions qu'on aurait pu mettre au fond, mais dommage, quoi. Bon. Et après une deuxième mi-temps avec, avec moins de jeu, je pense qu'un peu avec plus de fatigue aussi, bah, on a baissé le pied, le rythme, et puis voilà, quoi. Bonjour, coach. Bonjour. Et comment avez-vous trouvé ce match? Vous perdez 2-1.
Bah écoutez, on a fait une bonne première mi-temps, on a bien fait circuler le ballon. En deuxième mi-temps, malheureusement, les joueurs manquent de rythme. Physiquement, ils n'étaient pas là, ils ont complètement craqué. On a fait des changements et malheureusement, j'étais un peu déçu. Pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Bah écoutez, il y a des joueurs qui étaient en forme, d'autres moins, d'autres beaucoup moins bien, mentalement aussi. Certains ont craqué, ont fait un peu n'importe quoi. Ils ont lâché le match et là-dessus, c'est aspect cash. Bah écoutez, moi je veux bien perdre sur le terrain, mais perdre comme on a perdu là, avec deux passes, non, j'accepte pas. Bah écoutez, certains joueurs, j'ai été agréablement surpris, pardon. D'autres moins, mais bon, on va continuer et voir ce que ça donne plus tard. Pour le moment, je peux rien dire parce que c'est le premier match d'entraînement qu'on joue contre une équipe et il faut attendre après match de Coupe de Belgique, premier ou deuxième match de championnat, et alors on s'est jugé. Ouais, vous avez fait tourner votre effectif, comment vous l'avez trouvé aujourd'hui ? Pardon ? Vous avez fait tourner votre effectif et comment vous l'avez trouvé après ce match ? La première mi-temps bonne, la deuxième mi-temps trop de changements et des garçons qui ne jouaient pas à leur place de prédilection, on ne s'est pas jugé. Mais l'adversaire aujourd'hui m'a surpris. Vous pensez que qu'est-ce qu'il faut rajouter au sein de votre équipe avant le début du championnat ? Ah, il me manque un attaquant et un demi-défensif avec la taille.